Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans un des 11 musées du département de l'Isère. Vous êtes ici au musée Hébert et je vous propose de visiter l'exposition Carpeau que nous avons préparée pour vous. Je suis Laurence Lyonem, directrice du musée Hébert. Et justement, connaissez-vous le musée ? Le musée Hébert est un musée atypique, une maison d'artistes qui a été donnée au département en 1979. Entourée d'un très beau jardin, c'était la maison de campagne de la famille Hébert qui venait y passer les étés les plus chauds de l'année. Ernest Hébert a grandi Grand Rue à La Tronche dans une famille de notaires. Il a eu une vocation de peintre très tôt et a été formé avec le conservateur du musée de Grenoble, Benjamin Roland. Contre l'avis de son père, il s'est inscrit à l'école des Beaux-Arts de Paris et a obtenu le Grand Prix de Rome de peinture d'histoire qui lui a permis de faire un séjour comme pensionnaire à la Villa Médicis. C'est justement parce qu'il avait obtenu ce Grand Prix qu'il est lié à Jean-Baptiste Carpeau, qui a eu le même parcours 10 ans après lui. Hébert avait rencontré Jean-Baptiste Carpeau, jeune pensionnaire à Rome, élève un peu rebelle, mais c'était le cas de beaucoup d'artistes. Il faut imaginer que Carpeau avait une trentaine d'années quand l'Académie de France l'a envoyé travailler à Rome. Les élèves ne sont plus très dociles, et ils ne sont plus du tout d'accord pour être cadrés comme de gentils étudiants. Et maintenant, je vous invite à rentrer dans le vif du sujet et à découvrir l'exposition. C'est donc à Rome qu'Hébert et le jeune Carpeau se rencontrent pour la première fois. Ancien pensionnaire, parce qu'il a l'habitude de repasser à la Villa Médicis voir son directeur. Carpeau qui vient d'arriver avec beaucoup de retard, premier acte de rébellion. Et c'est dans cette belle villa qu'une amitié va naître. Alors que les deux artistes sont très différents. Hébert est un fils de bourgeois, notaire, il a les moyens, il vit sa vie comme il l'entend. Jean-Baptiste Carpeau est le fils d'un maçon, il a eu une enfance difficile, il a beaucoup de mal à obtenir le prix de Rome et sa carrière démarre péniblement. Autant Hébert est un artiste docile qui rentre facilement dans le cadre d'un règlement, autant notre Carpeau est en rébellion avec le directeur et ses camarades de la Villa Médicis. Mais tous les deux vont vivre pendant le Second Empire leur carrière et profiter de l'effervescence de cette période pour la mener pleinement. Carpeau est considéré comme le grand sculpteur du 19e siècle, au moins de la période du Second Empire, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il est aussi peintre. Il a profité de son séjour à la Villa Médicis pour apprendre à peindre avec l'artiste Soumy. Sa peinture qu'on ne connaît pas, on a voulu la présenter et ne pas montrer que Carpeau sculpteur. L'exposition est présentée en deux parties. Nous balayons largement sa carrière,
dans la partie des expositions temporaires. Et puis nous insistons sur la vie au Second Empire, avec son amitié avec la princesse Mathilde, qui est la première à lui avoir fait une commande officielle, et en parallèle, bien sûr, avec Hébert, qui lui-même était très lié à la princesse Mathilde, en reconstituant l'atmosphère du Second Empire à travers la présentation des meubles et des objets de collection de la princesse. Carpo choisit de réaliser ce pêcheur napolitain qui lui a été inspiré par un jeune garçon qu'il a aperçu sur une plage de Naples. C'est Hébert qui va l'encourager alors qu'il est en pleine période de doute et qu'il reçoit beaucoup de critiques. C'est là que va commencer cette amitié qui se prolongera à travers leur rencontre chez la princesse Mathilde. Le petit pêcheur napolitain, il est surtout reconnu pour son extrême réalisme. C'est cette vérité dans la façon dont Carpo transcrit la joie naïve de l'enfant qui découvre le son de la mer dans son coquillage, qui va épater les spectateurs qui vont découvrir l'œuvre au Salon en 1863 à Paris. Et c'est le début du surnom qu'on va lui donner, puisque apparaît sur le visage de ce petit pêcheur qui porte le bonnet typique des pêcheurs napolitains, ce fameux sourire qui donnera au sculpteur le surnom de sculpteur du sourire. Quand Jean-Baptiste Carpo rentre à Paris, la capitale est en pleine rénovation puisque le régime impérial va considérablement changer et transformer la ville. Il y a de nouveaux grands chantiers et on en profite pour inviter les jeunes sculpteurs à participer à ces chantiers. Donc il va participer au grand chantier du Louvre. Parallèlement, il accepte des commandes de privés qui lui permettent de gagner sa vie. Ces grands chantiers vont lui apporter un certain renom, ce qui lui permet d'obtenir d'autres commandes en parallèle. Et c'est comme cela qu'il va petit à petit réussir à réaliser sa carrière. Madame de Lavalette, c'est un des premiers bustes de commande privée qu'il ait réalisé. Il avait rencontré Monsieur de Lavalette, qui était ambassadeur à Rome. Et c'est une de ses premières grandes déceptions, puisqu'il réalise un marbre de cette femme américaine qui a, en second mariage, épousé un Français. Quand il lui montre son buste, elle est extrêmement déçue. Elle ne s'était pas vue vieillir, elle se trouve vieille sur le buste et elle le refuse. Notre Carpo, qui a un sacré caractère, de rage, démolit, prend une masse et donne un coup de masse sur le marbre qui existe toujours, mais qui a perdu le nez de la belle américaine. Heureusement, on avait fait trois moulages en plâtre,
et nous pouvons encore constater à la fois la vérité du buste et ne pas être tout à fait de l'avis de Madame de La Valette, qui, elle, ne se voyait pas tout à fait sans doute de la même façon et ne s'était pas vue vieillir, mais qui garde quand même beaucoup d'allure. À Rome, dans le quartier du Trastevere, Hébert avait rencontré une belle Italienne à qui il avait demandé de venir poser. De séance en séance, il était tombé éperdument amoureux, mais malheureusement, le mariage était interdit pour les pensionnaires de l'Académie de France, et de toute façon, la bergère était promise à un garçon de son village, Palombara de Sabina. La demoiselle, que l'on appelait la Palombella, va rester dans le souvenir de Carpo, et on retrouve son visage au fil de sa carrière dans de nombreuses œuvres, et notamment, elle va figurer la République. Cette jeune femme va mourir en couche peu de temps après son mariage, et Carpo va rester très très longtemps aussi en rapport avec sa grand-mère, ce qui nous montre bien qu'il ne l'oubliera jamais. C'est la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, qui a longtemps été la première dame de l'État avant que Napoléon III n'épouse Eugénie de Montereau, qui deviendra impératrice, qui va la première faire une commande officielle à Carpo. La princesse Mathilde, elle est richissime, si bien qu'elle aide énormément les artistes. Elle est artiste elle-même, elle fait de l'aquarelle, elle se fait conseiller entre autres par le peintre Hébert, qui est très souvent invité dans son château de Saint-Gratien, et fait tout ce qu'elle peut pour les artistes auprès de Napoléon III et du surintendant des Beaux-Arts, en leur obtenant des commandes de l'État, des pensions ou des médailles. Elle souhaite aider le jeune Carpo qui commence sa carrière et lui demande donc un buste officiel où elle est représentée avec tous les insignes impériaux, la tiare ornée de l'aigle, le manteau d'hermine, on voit derrière la dentelle de sa robe de soirée, et elle a un élément que l'on retrouvera chez de nombreuses jolies dames du Second Empire, c'est le collier à l'étrusque. On avait redécouvert les ruines de Pompéi et l'Antiquité était revenue énormément à la mode. Carpo, en réalité, il rêverait de devenir le sculpteur officiel du règne de Napoléon III. Il ne le deviendra pas, mais il est reçu très souvent par la famille impériale et entre autres lors des séries et des bals qui sont organisés soit au château des Tuileries, soit à Compiègne. De Guerlas, Napoléon III le nommera professeur de dessin du petit prince impérial. Et Carpo va finir par obtenir une commande du prince impérial en pied, une sculpture en marbre qui va être très souvent reproduite. L'empereur va se servir de l'image du petit prince à des fins de propagande politique. Carpo l'a très finement représenté dans ce costume, accompagné du chien de l'empereur, qui est un braque allemand, qui s'appelle Nero, et qui indique sur son collier, vous voyez que les détails sont respectés, son lieu d'habitation, c'est-à-dire les Tuileries. J'ai
J'espère que vous aurez eu plaisir à découvrir la vie et l'œuvre de ce grand sculpteur un peu oublié. N'hésitez pas à venir voir les œuvres en vrai. Le musée est gratuit. Et vous pouvez retrouver des focus sur son travail sur le site internet du musée, sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Avant de vous quitter, je vous propose un livre qui est particulièrement complet sur l'œuvre du sculpteur, qui a été réalisé au moment de la grande exposition du musée d'Orsay. Vous trouverez absolument tout ce qu'il faut savoir sur son travail. Je vous laisse, à bientôt au musée.